And I'm delighted to welcome His Excellency Julien Paluku to the stage to give a speech. He's Minister of Industry in the Democratic Republic of Congo, a position he's held since September 2019. He was previously Governor of North Kivu in the DRC. So welcome to the stage and looking forward to your speech. Thank you. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer chacun de vous. Bonjour, good morning. I don't speak English. My English is very, very broken now. I'll speak in French, and I think the translator will do his job. Je suis Julien Paluku, ministre congolais de l'industrie. My name is Julien Paluku, Minister of Industry of the Democratic Republic of the Congo. Je voudrais remercier très sincèrement Cobalt Institute pour l'invitation qui m'a été décernée de venir parler de la RDC ce jour. Et je voudrais vous apporter les salutations du président de la République qui tient vraiment cette conférence et qui a voulu que je sois personnellement présent ici. Mais avant d'aborder la question principale liée au thème qui m'a été demandé de développer, je vais très brièvement parler de la RDC pour que ceux qui ne connaissent pas ce pays puissent ne fût-ce qu'en deux ou trois minutes le connaître. Before I come to the core of today's topic, I would like to tell you a few things about the country that I come from, just to spend 2 to 3 minutes to give you some background. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui est au centre de l'Afrique avec ses 2,345,000 km². The Democratic Republic of the Congo is a country at the center of the African continent with an extremely significant surface area. Il a une population d'à peu près 100 millions d'habitants. It has approximately 5 million inhabitants. Essentiellement jeunes. Primarily young inhabitants. Avec près de 70% des jeunes. With almost 70% of the population. Ça veut dire, si nous sommes 100 millions d'habitants, ça veut dire, nous sommes 70 millions de jeunes. We have 70 million young. Ce qui vous montre le potentiel humain dont disposent les pays pour le développement de l'Afrique et même du monde entier. This demonstrates the potential that our country has in terms of young people eager to do their part. Malheureusement, notre pays est souvent connu de par son histoire, des guerres, des coups d'État. Et les gens ont toujours tendance à croire que c'est ce pays-là qui existe encore aujourd'hui. Unfortunately, the history of our country is dominated by issues such as war and unrest. And unfortunately, it seems to be readily associated with these issues still today. Il est vrai qu'en 1965, le président Mobutu avait organisé le premier coup d'État. The initial state takeover was planned a while back. En 1997, Laurent Désiré Kabila également a chassé Mobutu. In 1997, the next step was taken. C'est comme par une coïncidence qu'aujourd'hui, le 17, nous célébrons le jour où le président Kabila avait pris le pouvoir à Kinshasa pour chasser le maréchal Mobutu. And clearly, this is a date in history that is very important to us as a country, which is great celebration. En 2001, le président Laurent Désiré Kabila est assassiné et son fils Joseph Kabila prend le pouvoir. In 2001, the president was assassinated and his son took over power. Malheureusement, c'est cette image-là qui est restée collée à la République démocratique du Congo comme s'il n'y a jamais eu d'avancée. Unfortunately, this image has stuck to Congo as its image and we have not been able to progress. Mais je dois vous dire qu'il y a eu des avancées parce que nous avons organisé 3 cycles électoraux. However, I would like to tell you that we have made great progress in that we have been able to organize 3 cycles of elections. En 2006, en 2011 et en 2018. In 2006, in 2011 and in 2018. Et pour la première fois, en 2019, un opposant est arrivé au pouvoir à la suite des élections libres, démocratiques et transparentes et il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi was able to take power in 2019 despite being a member of the opposition at the time. Et donc l'année prochaine, nous organisons le 4e cycle électoral en 2023 pour de nouvelles élections présidentielles. In 2023, we will be organizing the 4th cycle of elections. J'ai tenu à vous faire ce petit tableau pour que ici en Occident, vous compreniez qu'il y a eu beaucoup d'avancées et que l'image qu'on a toujours collée à la RDC n'est pas celle
qui est vraie. Celle qui est vraie, c'est celle que je viens de vous développer tout à l'heure. I give you this brief overview just to give you an impression of the image that we seem to have, but I would draw your attention to the fact that our current state of affairs is in fact quite different, as I'd like to explain. Je vais finir ce point-là de présentation par deux éléments liés à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. I have divided this presentation into two parts and also will be addressing the combat of corruption. Sur ce point également, il y a beaucoup, beaucoup d'avancées. We have made a great deal of progress. Parce qu'en 2001, nous avions un budget de 300 millions de dollars américains. We previously had a budget of 300 million US dollars. Et aujourd'hui, en 2022, 20 ans après, nous avons un budget, même s'il est encore minime, de 10 milliards de dollars américains, soit multiplié par 30. This was in fact 10 billion USD in 2021, which is of course a huge increase. Il est vrai qu'on ne peut pas les comparer à la Suisse qui a un budget de 80 milliards de dollars avec une population d'à peu près 10 millions d'habitants. Clearly, this cannot be compared to Switzerland with its budget in the billions with a much larger population. Mais c'est pour vous montrer qu'on ne peut pas avoir un budget qui passe de 300 millions à 10 milliards de dollars avec la corruption qui continue à exister. C'est qu'il y a eu des avancées dans la lutte contre tous ces fléaux qui ont gangréné la vie du pays. I would like to emphasize to you that this hike in the budget has been achieved despite corruption in the country and despite the challenges that we face as a nation. Voilà donc pourquoi j'invite ceux qui m'attendent ce jour de considérer que la RDC est aussi l'une des meilleures destinations du monde pour les investissements. I invite you to join me in the opinion that the DRC is therefore an excellent place to pursue further cobalt issues. Alors, au deuxième point, je vais parler de la stratégie maintenant du président de la République qui tenait à s'insérer dans la dynamique mondiale d'industrialiser son pays. I would like to tell you a little about the strategy that our president has in mind to foster industry in our country. Et il a élaboré ce qu'on a appelé le plan directeur d'industrialisation. He developed the PDI, the Industrialization Master Plan for the Democratic Republic of the Congo. Ce plan a été élaboré vu l'immensité de la République, comme je l'ai présenté tout à l'heure, 2 345 000 km, avec beaucoup de richesses disséminées sur des espaces géographiques. Et chaque espace géographique a un profil économique qui demande une orientation industrielle. Each economic zone has a certain profile of resources that dictates what its potential can be in economic terms. Parce que le président a constaté effectivement qu'en 1960, nous avions 10 000 entreprises industrielles, mais aujourd'hui, il ne nous reste plus que 500 entreprises industrielles. From 1950 to today, the number of industrial facilities has increased significantly. Et que donc pour cela, il faut imaginer une stratégie de réindustrialisation du pays. And for this reason, we require the strategy to re-industrialize the country. Alors, comme le pays est immense, il y a des espaces qui sont riches en produits alimentaires, des espaces qui sont riches en calcaire, des espaces qui sont riches en minéraux. Et donc, chacun de ces espaces-là doit avoir son orientation industrielle. Depending on the riches that are present in a certain region, whether this be minerals, etc. Ce qui nous permettrait de limiter la facture d'importation qui pèse lourd sur la République. This dictates what this zone should focus on and also helps us to reduce the reliance upon imports. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, nous importons pour près de 6 à 7 milliards de dollars chaque année. 6 to 7 billion dollars each year are spent on imports. Ce qui démontre à suffisance que notre économie est tournée vers l'extérieur. So we see that my country is in fact very much oriented towards external et donc il était important que le président puisse mettre en place cette stratégie-là de dire nous devons cesser d'être une économie uniquement d'exportation de matières premières pour devenir une économie de transformation de matières premières sur le sol congolais. And so the president was very certain that we should transition from being a country reliant upon imports to being a country that pursues industry of its own. Et donc la carte que vous avez vue tout à l'heure défiler, c'est celle qui vous démontre les différents espaces industriels avec les orientations que le chef de l'État a données à chaque espace vu ses potentialités. And so you see on the map the different industrial zones and they have each been given a priority set by the president which they are to pursue. Mais pour arriver à cette industrialisation totale, eh bien,
il faut quand même des infrastructures de base, qui soient réalisées pour assurer l'interconnectivité de l'ensemble de la République. But if this development is to take place, then these zones also need to be interconnected to enable industry to function. Je voudrais que celui qui déroule puisse arriver au dernier tableau sur les coûts des infrastructures de base. Alors, pour interconnecter toute la République, donc, voilà le tableau qui vous démontre les opportunités qu'il y a dans notre pays, parce que pour que nous puissions industrialiser ces pays-là, en matière, par exemple, de routes, il nous faut au minimum 21 000 km de routes, ce qui fait 21 milliards de dollars. So, for instance, we need to be spending 21 billion US dollars on things like roads to enable industry to function for these zones to be interconnected. Il faut à peu près 9 000 km de chemin de fer, ce qui nous fait à peu près 9 milliards de dollars. Around 9,000 the distance of roads is required, which will equate to roughly 9 billion US dollars. Il faut la construction ou la réhabilitation des aéroports et pistes pour à peu près 1 milliard de dollars. Airports will require runways, for instance, and let's say one runway costs $1 million. Nous sommes traversés par un grand boulevard qu'on appelle le fleuve Congo, qui mérite qu'on construise des ports pour assurer la traçabilité et le transport des matériels, ce qui nous coûterait à peu près 2,5 milliards de dollars. Around $2.5 billion will be required to develop the infrastructure around the Congo River, which will require things like ports, for instance, to ensure portability but also traceability. Mais comme l'industrialisation demande de l'électricité, il nous faut à la fois penser à Inga, mais également à plusieurs microcentrales hydroélectriques qui sont disséminées à travers le pays, ce qui nous donne un budget total estimé à peu près 22 milliards de dollars. Around $22 billion will be required to further pursue the infrastructure around electrics and having those facilities be connected also. Et donc, ce plan global d'industrialisation a un coût estimé à 58,4 milliards de dollars. This brings the total cost plan to around 58.4 billion USD. Alors, quand on parle de ces chiffres-là, beaucoup de gens pensent que c'est un grand chiffre, 58 milliards, c'est beaucoup. Moi, je dis non. Well, you might think that 58 billion dollars is in fact a very large amount of money, but I would argue otherwise. Parce que quand je vois les Suisses, les Français, les Américains, chaque Américain ou chaque Français ou chaque Japonais naît avec une dette pas moins de 40 000 dollars à la naissance. But if I look to other countries, for instance the US, to France for example, each citizen is born with a debt around. Et lorsque vous voyez par exemple la proportion de la dette par rapport au PIB pour les pays occidentaux, en fait, la dette publique représente presque 40 à 50% du PIB. But in fact, debt in Western countries is around 40 to 50% of GDP. Mais la RDC a sa dette qui représente moins de 20% du produit intérieur brut. Whereas in the DRC, this debt equates to less than 20%. Ce qui démontre à suffisance que nous ne sommes pas endettés. So clearly, we're not an indebted country. Malgré les mauvais discours qui continuent à croire que nous sommes un pays très endetté. But nonetheless, the discussion continues about us being an indebted country. Donc, on peut lever 58 milliards, même en forme de dette, et ça ne représentera rien par rapport à notre produit intérieur brut, par rapport à nos richesses. Et chaque Congolais naîtrait, si on prend cette dette de 58 milliards, seulement avec 50 dollars à la naissance, ce qui est encore très, très minime. The debt that a Congolese would be born with if this plan was put into practice would be far less than the debt that other nations' citizens have when they are born. If we are to raise 58 billion USD, this will nonetheless be a fairly insignificant proportion. Je vois 500, pas 50. Chaque naîtrait, comme nous sommes 100 millions d'habitants, si on prend 58 milliards, c'est comme si on endettait chaque Congolais 500 dollars sur 20, 30, 40 ans. Ça ne sera pas la fin du monde, je pense. So that's 500 USD for a citizen. It's not the end of the world in terms of debt. Voilà donc après ce tableau sur la stratégie du président de la République d'industrialiser le pays, je vais maintenant chuter sur la question de l'industrie des batteries électriques. I would now like to turn to electric batteries after having given you this overview of the president's intentions. Et vous dire pourquoi est-ce que la RDC est la meilleure destination au monde en matière de fabrication des précurseurs de batteries.
and explain to you why the DRC is the perfect place for precursors, battery precursors. La première chose, c'est que notre conviction est assise sur une étude qui a été réalisée par Bloomberg. First of all, I would like to base my comments on the study conducted by Bloomberg. Cette étude a démontré effectivement que pour une usine de fabrication de batteries électriques aux États-Unis, en Chine, en Pologne et en RDC, les statistiques sont en faveur de la République démocratique du Congo. The study compares the statistics for different countries as regards how much it would cost to pursue this industry there and came to the conclusion that the DRC would be the most favorable place to do so because it would be the least expensive. Parce qu'une usine de fabrication de batteries électriques en Chine, l'usine complète de traitement de 10 000 tonnes, de 100 000 tonnes, coûterait 117 millions de dollars américains. The costs for this endeavor would come to 117 million USD in the United States, for instance. Cette même usine coûterait 112 millions de dollars en Chine. A factory of the same scale would cost 112 million USD in China, for instance. La même usine coûterait 65 millions de dollars en Pologne, ici en Europe. In Poland, a comparable factory would cost 65 million. Et la même usine coûterait en République démocratique du Congo seulement 39 millions de dollars américains. A factory of the same scale would cost only 39 million USD in the RDC. Ce qui démontre que le coût de cette usine est trois fois moins cher en République démocratique du Congo qu'aux États-Unis et en Chine. This shows us that the costs in the RDC would be three times lower than they are in the United States or China. Ce n'est pas une étude qui a été menée par la République démocratique du Congo pour croire qu'elle a été orientée pour justifier que la RDC est la meilleure destination. Clearly, this is a reason in favor of pursuing these issues in the RDC. C'est une étude menée par Bloomberg et qui donc est à votre disposition que nous allons vous partager pour que chacun de vous puisse entrer en sa possession et être convaincu que peut-être au sortir d'ici, nous allons prendre le même avion pour aller investir en RDC. But bear in mind that this is not a biased study that was created to demonstrate how the RDC is the best place to pursue this business. Instead, it was an independent study that each of you can look at together and we will all be leaving here on the same aeroplanes, for instance, to get home. Et donc, fort de cette étude, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a organisé à Kinshasa en novembre ce qu'on a appelé le DRC Africa Business Forum. The DRC Africa Business Forum was organized by the president to discuss issues such as this. Pour partager toutes ces informations-là, les mettre à la disposition du monde et convaincre que la RDC est la meilleure destination en matière de fabrication de batteries électriques. To share this information with the world and to argue in favor of the DRC as a production site for electric batteries. Et le président zambien, Hakainde Hichilema, était présent lui-même pour venir constater avec nous que c'était donc possible que la RDC devienne cette meilleure terre des investisseurs en matière de transition énergétique. And we were joined by presidents who were able to benefit from the discussion to see that in fact it is a viable location for this. Et donc je suis heureux à parler ici à Zurich de cette matière parce que c'est le cobalt qui est au cœur de cette transition énergétique. And this is why I would like to speak on this issue today because of course cobalt is at the very heart of electric batteries. Et la RDC détient les réserves importantes avec une production annuelle de 100 000 tonnes l'an. 5,000 tons of cobalt are available in Congo each year, which is why it's so important for the country to be involved in these discussions. Et les études actuelles disent que notre pays détient autour de 25 millions de tonnes de cobalt. And studies are now showing that overall reserves might be a much higher figure. Mais celles qui sont certifiées nous parlent de 3,5 millions de tonnes de cobalt. 3,5 million. Même dans l'hypothèse où on prend les 3,5 millions de tonnes de cobalt, nous pourrions faire 35 ans en exploitant le cobalt si nous continuons à sortir 100 000 tonnes l'an. If we are able to continue to pursue this industry, we will be able to produce a great deal of cobalt and tap into these reserves. Mais si nous prenons l'hypothèse de 25 millions de tonnes, et que nous continuons à exporter ou à traiter 100 000 tonnes là, nous sommes à 250 ans d'exploitation de notre cobalt. It would depend how we approach the use of the resources as to how much we can achieve.
Voilà pourquoi le président de la République a estimé que nous ne pouvons pas être seuls dans cette chaîne de valeurs. Il faut être avec d'autres pays africains. If we are to best utilize this resource, we'll have to work together with other African countries. Comme la chaîne de valeur a besoin du cobalt, du lithium, du manganèse et du nickel, d'autres pays africains ont été recensés pour que nous puissions nous joindre ensemble. Seeing as though different materials are required to be able to further pursue this, we will have to work together with other countries for things like manganese, nickel. Et c'est l'essence de l'accord de coopération que nous avons signé le 29 avril avec le président zambien à Lusaka. Which is why we are so pleased we were able to sign an agreement on the 25th of April with a representative from Zambia. Mais nous attendons aussi amener dans la chaîne de valeur le Madagascar qui produit le nickel. Madagascar will be contributing nickel. Nous attendons faire venir également le Gabon qui produit du manganèse. Manganese will come from Gabon. L'Afrique du Sud également. And from South Africa. Pour créer une chaîne de valeur africaine et permettre à l'Afrique de capter ce vaste marché mondial des batteries électriques. This will enable Africa to create its own supply chain so that it can partake on. Parce que si aujourd'hui nous avons 4 millions de voitures ou de véhicules électriques qui circulent à travers le monde, les statistiques nous indiquent que d'ici 2030, nous serons autour de 200 millions de véhicules électriques qui seront demandés. The number of electric vehicles is due to increase significantly over upcoming time, and therefore this issue has become more and more important. Et à 2050, nous serons à 900 millions de demandes de véhicules électriques. 900 millions de voitures électriques. 900 million, in fact. De voitures electric électriques. Vehicles are expected to be. Et donc, on the roads in the future. Et donc, nous qui sommes pays producteurs de matières qui entrent dans la fabrication de ces véhicules électriques, nous serons au cœur de l'enjeu mondial. And with our role in the production of these vehicles, we would like to be at the heart of this transition. Voilà pourquoi je suis venu livrer ce message pour rassurer tout le monde que la RDC et son président sont en train de s'inscrire dans les schémas qui permettent une exploitation responsable de ces minerais. Which is why I'm here to reassure you that our president takes this seriously and is approaching this with a very sustainable mindset. Et vous livrez le message du président selon lequel il est conscient que le monde a besoin du cobalt congolais. He is aware that the world needs cobalt from the Democratic Republic of the Congo. Et que pour cela, il doit respecter toutes les valeurs éthiques dans l'exploitation du cobalt congolais. And that thus all ethical values will also have to be borne in mind. Il est tenu à réguler très honnêtement l'exploitation artisanale pour se rassurer que tous les éléments rentrent dans la chaîne qui soit respectueuse des valeurs éthiques. As regards ASM, all of the features there will have to abide by ethical principles to make sure that this is done above board. Mais que l'exploitation inéquitable devrait quand même cesser pour que nous puissions nous inscrire dans une dynamique de gagnant-gagnant. This should be a win-win situation with all inequalities. Parce que depuis 60 ans, le constat c'est que on a fait que sortir des minéraux pour peut-être les autres sans que la RDC ne puisse en retour bénéficier de la plus-value que ces minéraux devaient avoir sur la population locale. Because for 60 years we have been delving into these resources and providing them to the world without profiting from them ourselves. Et que donc son message, c'est de dire la RDC est entièrement disponible à travailler la main dans la main avec tous les partenaires pour que cette chaîne de valeur soit une réalité au centre de l'Afrique et qu'elle soit bénéfique à l'ensemble du monde pour nous inscrire dans la transition énergétique et ainsi réduire les effets à effet de serre. The DRC is available and at your disposal for collaboration to produce this supply chain together and to ensure the world gets what it needs. Donc c'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous remerciant pour l'invitation qui m'a été décernée et je vous remercie. I would like to thank you at this point and end on this hopeful note. Thank you for having me.